question. Les kits, ce n'est pas des pains qu'on va acheter dans une boulangerie. Ça se commande avec quelques spécifications. Et donc, il était tout à fait légitime que le gouvernement, anticipant sur les difficultés qu'il y aurait à mettre rapidement la CENI, commande ce matériel. Et ce matériel a été commandé et payé. Le jour où la CENI sera installée, elle va s'en emparer et puis faire l'usage qu'il convient en termes de révision des listes électorales. Alors, qu'attendez-vous de l'opposition, hein, en général et en particulier de celle représentée à l'Assemblée nationale?